enfant membre de clubs d'écoute pour enfants et comité d'enfants de Kadutu, Bagira et Panzi ont été sensibilisés sur le droit de l'enfant le mercredi 16 juin à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain. Au cours de cette séance, ces enfants ont échangé sur la Convention relative aux droits de l'enfant CDE et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Lors de cette rencontre, les enfants ont exhorté le parent et à l'État d'assurer leur survie et leur protection pour leur épanouissement sur le plan de la vie, sur notamment la protection juridique et sur l'accès à une éducation de qualité, comme nous précisent certains. Au nom de tous les enfants de la province, nous saluons les efforts des autorités dans l'observance de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Nous espérons que ce même progrès dans les autres provinces de la RDC. Néanmoins, plus de 80% des enfants africains en général et plus de 75% des enfants de la RDC en particulier se voient privés de l'exercice de leurs droits sur différents plans, notamment sur le plan de la participation, principalement dans la prise des décisions concernant les enfants. Par exemple, avoir une commission spécialisée sur les questions des enfants à l'Assemblée provinciale. L'éducation, elle n'est pas garantie en RDC, malgré la décision du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement primaire. De plus, pour ceux qui étudient, le niveau et la qualité d'enseignement sont déplorables. Des individus créent des écoles à tout vent uniquement pour le lucre et non pour la formation des enfants. Nombreux enfants de la ville comme à la campagne souffrent de malnutrition quand d'autres souffrent d'obésité. Pour Madame Godin Seissanda de l'OCET, mais aussi chargée de la clinique juridique pour enfants à Bukavu, la fête du 16 juin est une occasion pour faire un état des lieux de la situation de l'enfant pour son bien-être, mais aussi un moment pour renforcer les plaidoyers à tous les niveaux en vue de demander une bonne protection de l'enfant. Je m'appelle Godin Seissanda, je suis la chargée de la clinique juridique pour enfants de Bukavu. Je suis animatrice à OCET. Nous sommes dans le cadre du projet Aide légale en faveur des enfants victimes d'abus et c'est en conflit avec la loi. Nous organisons chaque fois des manifestations autour de la journée de l'enfant africain dans le cadre de promouvoir les droits de l'enfant. En fait, la journée de l'enfant africain est célébrée pour que notre enfant arrive à connaître leurs droits, qu'il sache comment les revendiquer et aussi comment se protéger vis-à-vis des abus dont ils sont victimes. C'est pourquoi nous avons organisé cette séance de sensibilisation pour rappeler encore une fois les enfants à se prendre à charge, promouvoir leurs droits, malgré qu'il y a des lacunes par-ci, par-là, vis-à-vis des obligations de l'État, mais qu'ils se prennent aussi à charge et qu'ils arrivent à promouvoir leurs droits, à le faire connaître dans la communauté pour avoir un avenir meilleur. Signalons que la Journée internationale de l'enfant africain pour l'année 2021, 30 ans après, a pour thème l'adoption de la charte accélérant la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants. Au cours de cette cérémonie, les enfants ont déclamé des poèmes et ils ont aussi exhibé des danses traditionnelles. Thank you.
Fadjiri, je suis en 7e année. Également, je suis un enfant parlementaire et petit chanteur de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Tchaï. Oui, l'enfant a droit à la vie, à un an, aux parents. Dans tous les droits fondamentaux de l'enfant, nous pouvons dire que la Journée internationale de l'enfant africain vient encore appeler à nos autorités, nos parents, le droit. Cette journée est célébrée aujourd'hui dans le rappel des enfants de Soweto qui ont été massacrés dans leur manifestation du par le rapport de Apartheid. Et quand ils ont été massacrés, alors cette journée est mise au courant de tout le monde. Après ça, ce n'est pas seulement pour les enfants de Soweto, mais c'est aussi pour les enfants victimes de conflits. C'est aujourd'hui que j'ai vu pour ma première fois les choses là de journée internationale. Alors, moi je croyais qu'il y aurait beaucoup d'enfants qui viendront ici. Pas sur la journée qui intéresse les enfants, mais à ma grande surprise, je vois qu'il y a seulement au moins 85 enfants. Et ces 85 enfants sont appelés par de groupes qui encadrent les enfants. Je crois que même aux écoles aussi, il y aurait des enfants qui vont faire leurs manifestations, leurs poèmes, des choses pareilles, mais il n'y en avait pas. Alors pour cela, je recommande à nos États, nos encadreurs, de mettre en pratique le droit des enfants et de faire respecter la Journée internationale des droits de l'enfant, qui est cette journée d'aujourd'hui, du 16 juin de chaque année. La rencontre a eu lieu dans la salle de réunion de la paroisse de Tchaï.